Bonjour et bienvenue dans ce tuto apprentissage de points pour apprendre le point gaufre. Alors nous commençons par une chaînette de nombres impairs. Dans la quatrième maille depuis le crochet, on fait une première bride. Les trois mailles en l'air qui seront juste avant représenteront la toute première bride du rang. Et vous faites comme cela un rang entier de brides, qui sera notre rang de base pour commencer le point gaufre. Une fois le rang de bride terminé, on fait trois mailles en l'air pour débuter le nouveau rang. Ce sera notre première bride. On fait ensuite une bride en relief avant. Donc sur la deuxième bride du rang précédent, on prend la bride sur l'avant. On ne passe pas sous les deux brins, on entoure la bride du crochet. On fait ensuite deux brides normalement. La suivante, on l'entoure avec le crochet, donc on refait une bride en avant. Pendant tout le rang, nous allons faire une bride en avant, deux brides normales, une bride en avant. Voici le résultat que vous devez avoir. Pour le rang suivant, on fait trois mailles en l'air pour notre première bride et là on va inverser ce qu'on a fait. Ça veut dire que sur toutes les brides qui étaient en avant pour le rang précédent, nous allons faire une bride normale. Et toutes les brides qui étaient normales, nous allons les prendre en avant. Donc les deux prochaines sont en avant. En suivant cette logique, la prochaine, c'est une bride normale. Tout le rang, nous allons faire une bride normale et deux brides en avant. Ce qui va donner cet effet gaufre. Une fois le rang 3 terminé, nous allons faire un dernier rang pour expliquer la méthode de ce point. Donc on fait 3 mailles en l'air. Et donc toutes les brides qui sont en relief avant, on les prend en relief avant et les brides normales, on les fait normales. Ça veut dire que la première est en relief avant. Et la deuxième, la troisième sont normales. Et
et ensuite on repart sur du relief avant et on continue cela tout le rang. On répète ainsi le rang 2 et nous allons répéter jusqu'à la fin de votre motif, jusqu'à ce que vous en ayez besoin, les rangs 2 et 3, en alternant les brides en relief avant et les brides normales. Voilà le résultat que vous devez avoir, un quadrillage comme une gaufre. À très bientôt pour un nouveau point.